Salut à tous, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon deuxième vlog. Et aujourd'hui, c'est un vlog, c'est pas un podcast. Je vais faire une playlist de vlogs, même si j'en ai fait que deux, ça sera quand même mieux pour les mettre sur YouTube. Bref, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai une coupe un petit peu, je viens de me réveiller un instant. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que vous allez me suivre chez le coiffeur. J'ai rendez-vous à 4h chez le coiffeur. Le matin, on va faire un petit peu de vlog et tout, on va parler de ci, de ça et tout. Vous allez voir la fin de ma coupe. Alors, je ne vais pas pouvoir vous filmer pendant le coiffeur, mais je pense que je vous filmerai le voyage. J'essaierai de le faire en plus discret parce que je veux pas que tout le monde me voit. Et voilà. Et si vous avez des questions, vous me le dites en commentaire. Pourquoi je fais des vlogs et des podcasts, ça sera bien pour ma prochaine vidéo. Bref, aujourd'hui, je vais vous laisser avec des beaux paysages qui vont se trouver chez nous. Et oui, aujourd'hui je suis en vacances, pas comme tout le monde. Hein. Un endroit où personne n'est en vacances encore, je veux dire Paris. Alors aussi, peut-être je vais partir en vacances pendant une semaine à Paris, normalement chez ma soeur. Et on ne peut pas dire plus parce que sinon après plein de gens vont revenir. Bref, aujourd'hui je vais peut-être partir en vacances, je sais pas quand, je vais essayer d'y voir, je vais essayer de l'appeler aujourd'hui pour voir la réponse et je vous dirai si je pars ou pas. Vous avez vous le plus beau paysage qui fasse beau aujourd'hui. Je vais vous montrer dehors. Et voilà un beau soleil bleu qu'on a chez nous. C'est magnifique, ma chérie. Boum. Bon, c'était juste pour vous prévenir hein, que j'allais faire un deuxième vlog. J'ai fait mon premier vlog dans la forêt. Je vous avoue, c'était bien. Mais nul pour le premier vlog. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit vlog balade. Ce sera un petit balade et voilà. Bon, ben j'espère que ça vous plaît et que. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Et me revoilà dans ma salle de bain où vous pouvez le voir. Vous entendez un petit bruit, c'est mon ventilo des en haut qui. Bref, on s'en fout. Vous allez voir comment. Un mec se prépare, bref, un con qui se prépare, un gros mec, un gros bidou, bref, on s'en fout. Je vais tourner la caméra vers là. Voilà. Regarde, j'ai la vie qui me fait retour, ça me fait trop du bien. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une coupe de cheveux à la merde. C'est vrai, hein, j'ai une coupe de cheveux nulle. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit dégradé. Hein. Je vais pas toucher à mes cheveux parce que tout à l'heure, au coiffeur, ça va être mieux. Déjà. On se brosse les dents. Tu joues ou autre ça? Non. En fait. Bon. Je vous dis. Non, c'est pas celui-là. Et voilà, là je suis changé. Nickel, propre. Bon, on va passer à la coupe de cheveux parce que je vous ai attendu quand même pour le faire. Je me suis brossé les crocs. Hein. Bon, les crocs, quand je dis les crocs, c'est les dents. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, on va pas mettre trop vers la lumière. Voilà, nickel. Alors, je vais mettre un produit pour les défraiser un peu. Alors, attention, le prends là. Hein. Ouais, je vous fais un. Comment on dit ça déjà? Merde, je sais plus. Un truc pour les meufs, je sais plus quoi, un truc beauté. Bon, ça, le téléphone, c'est moche. Je vais sortir mon peigne à moi. Et ouais. Alors ça les gars, ça c'est un peigne. Vous savez dans les films où t'as des gens qui ont une grosse coupe de cheveux, ils la mettent à l'intérieur et ça fait ça tient. Pour moi ça tient pas. Bon quoi que si. Bon. Mettre un peu de ce produit là, on va défriser mes cheveux. Alors. Bon. Ah j'ai les cheveux secs. Je remets 3 tonnes. Bon. Putain, j'ai les cheveux secs. Ah. Ah, sa mère. Bon. Je vous retrouve tout à l'heure. Oh, les gens, je vous préviens, arrêtez d'avoir les cheveux comme ça bouclés. C'est chiant, les coiffer le matin. Je vous les coiffe jamais. Hein. Je fais un petit. Le matin des cours, je les ferai un peu pour pas que ça ressemble que j'ai dormi. Mais c'est tout.
Mais là, en fait, ma coupe, elle va être trop bien parce que je vais raser bien sur les côtés, laisser un petit peu en haut, raser bien ma barbe comme d'habitude. Et vous verrez à la fin que ça fait très très joli. Alors aujourd'hui, je vous ai retrouvé pour vous dire que j'ai beaucoup de cheveux. Voilà. Parce que je peux les. Ah putain. Putain. Qu'est-ce qu'il est? Mon Dieu. J'ai une crier comme un fou vient de m'entendre dans toute la maison. C'est beaucoup de travail ces cheveux. Alors, tous les gens qui ont voir ces cheveux-là, je vous dis merde. C'est casse-pied. Hein. Là, vous allez me dire, je ressemble à Jackson. Un peu, ouais. Putain, qu'est-ce que ça boucle là? Et si je fais ça, c'est pour enlever toutes les bouclettes qui restent. C'est casse-pied d'avoir les bouclettes. Surtout quand vous passez le peigne et que le peigne il s'arrache tous vos cheveux là. Bon, je dis à tout à l'heure. Et voilà le final. C'est beau, hein? On dirait vraiment Jackson. Jackson 5 pour ceux qui connaissent un peu les vieux. Ils ont fait très très haut. Perso, j'aime bien. Même si tout à l'heure j'aurais plus les mêmes cheveux. J'ai un cheveu qui se borne. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ciseaux. Attends, on n'a jamais de ciseaux dans cette vidéo. Pas vraiment un ciseau, hein. Juste pour enlever les cheveux qui se battent un peu en duel là-haut là. J'espère que ça vous plaît, hein. Franchement une coupe de cheveux comme ça c'est magnifique. On a fait Marshall. Eh bien, me revoilà et on est en live sur mon appareil photo. Dites coucou! Pardon. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une coupe à la Jackson, hein, comme je viens de leur dire. Je crois que cette vidéo est directement sur Facebook et Instagram. Ouais. Il y a un truc qui pue. Ouais, ça va. Je ne peux pas mourir. Bon. Je vous dirai à la prochaine. Bon, comme vous pouvez le voir, on a fait un petit coucou live sur mon téléphone. J'ai des mains qui puent. Je dois me laver. Bon. À faire un petit tuto lavage des mains. Bon. Comment bien se laver les mains? Tuto comment se laver les mains. Bon. Déjà, on allume l'eau, c'est ça. Eau chaude ou froide? Moi, je préfère chaud. Tiens un peu. Déjà, on les mouille bien. Deuxièmement. On met du savon pour laver. Après, on roule et on roule. On va bien se laver. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, mes mains sont bien nettoyées. Et là. C'était le petit tuto de Clément. Comment se laver les mains? Ma barbe, elle est blonde! On regarde bien. Et voilà, petit tour de Clément. Comment se laver les mains?
Si vous voulez avoir d'autres tutos sur la vie, dites-le moi, je vous en ferai. Genre, tuto comment bien se coiffer, tuto comment bien se brosser les crocs, parce que t'en as qui se brossent mal les dents, qui puent la gueule. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. De laisser partir son fils avec de la gueule qui pue, c'est horrible. Bon, ben, je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, salut à tous. En bref, bonjour Jean, c'est Clément, comme toujours sur le vlog. Je ne savais plus où j'en étais, alors c'est pour ça que je dis salut à tous. Donc, me revoilà sur mon vlog, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc. Est-ce que ça vous plaît que je mette au sera sur ma tête? On va voir ce que ça fait. Attention aux yeux pour les enfants, dégagez. Dégagez. Tum-tum. Ça va pas rentrer. Oh, et merde. Voilà ma coupe de cheveux, alors on regarde. Vas-y Booba, va t'asseoir, moi je suis revenu. Non, je rigole, je vais arrêter de parler comme un gros rappeur, hein, me prendre pour un rappeur. Bref, je vais voir ça dans mon... Parce que avec la petite caméra là, je ne me vois pas beaucoup. Bon. Plus total, pardon. Bon. Ouais, ça va, ça peut faire, hein. Bon. Mettre derrière, là. Oh là. Attendez, je déplie le trépied. Oh là. Voilà. Ça fait ridicule. Franchement, je veux pas de casquette. Ok? Pas de casquette parce que là, ça fait trop ridicule. Non mais les gens, arrêtez là. Ça fait ridicule, dites-le là. Ça fait ridicule. Tu es choqué un peu trop petit. Bonjour. Alors, moi perso, je vais essayer. Je vais à la boulette. Sentez ça. Ça pue. Bon, je pense que je vais mettre quand même une casquette, mais je sais pas comment. Voilà. Je vais la mettre comme ça. Wesh, 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 petit. Non, ça fait bien aussi comme ça, non? Ça fait con. Putain, mais comment je mets ça? Ah, c'est compliqué de mettre une gueule. Voilà. Voilà, à la mode Booba. Ouais, ça va. C'est pas mal. Ça va. Alors j'ai deux yeux coincés dans ma tassette, je peux pas parler. Alors en fait quand je réfléchis, ça descend. Voilà. Voilà. Oh non, c'est bien. J'ai Paul qui me craint dans les oreilles. Attendez, j'ai le coiffeur, c'est horrible. Allez. Et à la prochaine. À tout à l'heure. C'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en webcam. Et oui, comme vous pouvez le voir. Alors, voilà ma coupe. Hein. Je vous fais ça la vidéo un peu tard. J'en suis désolé. Ah, attendez. J'en suis désolé. Voilà, petite coupe très swag. Bon, ben voilà. Hein. Je vous remercie déjà d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Et en vous remerciant, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Allez, à la prochaine. Oh.